Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo panne pastel que je vous propose. Il y en a eu une première il y a quelques temps et si vous ne l'aviez pas vue, je vous invite à aller la visionner si vous débutez vraiment le panne pastel parce que c'est vraiment la vidéo de présentation. Donc c'est la base, c'est ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans le panne pastel. Aujourd'hui, je vous fais la démonstration de mon premier tableau avec ces outils. Il s'agit de jonquilles et j'espère que cette démonstration vous plaira et j'espère qu'elle vous permettra de voir de manière un petit peu plus claire comment utiliser les pastels. Vous allez voir que c'est vraiment très très agréable, ils se fondent entre eux. Enfin, moi je sais que je suis tombée assez amoureuse de ces pastels là, donc j'espère que cette démonstration vous plaira. À cette occasion, j'ai répondu aux questions que l'on m'avait posées sur la première vidéo. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, comme ça soit je vous répondrai par écrit, soit je vous répondrai à l'occasion de la prochaine vidéo panne pastel. Et j'en profite d'ailleurs pour répondre à la question de Nathalie qui me demandait quelles sont les couleurs à privilégier lorsque l'on veut démarrer le panne pastel. Et c'est une très bonne question parce que c'est vrai que de par leur prix assez élevé, on n'a pas forcément envie d'acheter tout de suite les 80 couleurs. Donc on va chercher à minimiser le plus possible pour pouvoir déjà tester et voir si ça nous plaît et puis décider de commander ou pas plus de couleurs. Donc sachez que le Jean des Beaux-Arts fait une offre sur un duo de couleurs, c'est le rouge permanent et le jaune Ansa. Je sais pas comment ça se prononce, Ansa, je ne sais pas. Cette offre-là, donc les deux couleurs sont livrées avec quelques outils panne pastel pour que vous puissiez découvrir. Donc comme c'est une offre découverte, le prix est très attractif puisqu'il est de 3,75€ pour le kit. Alors que si vous achetez une couleur seule, elle vous coûte déjà 7,50€ quasiment. Donc pour moi, ça c'est déjà un très bon produit pour vous rendre compte de la texture et du mélange que vous pouvez obtenir. En plus, ce sont deux couleurs qui sont vraiment très jolies. Donc ça peut être un premier achat intelligent. À cela, si vous voulez faire des tests plus poussés, je vous recommande d'ajouter un noir, un blanc, un marron et un bleu outre-mer. Et de cette façon, vous avez les couleurs primaires quasiment et vous avez un blanc et un noir, donc vous pouvez créer vos couleurs et vous pouvez les éclaircir et les assombrir. Ça me paraît bien pour démarrer. Ce sera pas suffisant pour faire des tableaux vraiment poussés, mais pour faire des études, c'est bien. Moi, en tout cas, pour le tableau des jonquilles que j'ai réalisé, que vous allez voir dans quelques instants, j'ai utilisé assez peu de couleurs et d'ailleurs je vous mets la liste sous la vidéo. Donc ne vous inquiétez pas si ça vous intéresse, il vous suffit de descendre et vous avez les numéros et les intitulés des couleurs. Donc je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette introduction et donc je vous laisse avec la démonstration, c'est parti. Je commence par faire mon esquisse avec un crayon pastel blanc. Et normalement pour ce genre de tableau, j'aurais commencé par tracer deux cercles à l'emplacement de mes futures jonquilles pour m'assurer d'avoir un bon cadrage et pour avoir la forme générale de la fleur. Mais là, je me suis challengée un petit peu, je me suis dit que c'était un sujet relativement simple, donc j'ai décidé de le faire à main levée, sans prendre aucun repère. Des fois, je me lance des petits défis comme ça, chacun son truc, mais je trouve que c'est pas mal pour exercer son œil. De temps en temps, j'aime bien ne pas faire de repères du tout et me lancer. Mais j'aurais jamais fait ça pour une commande, hein. J'aurais pris beaucoup de repères et j'aurais soigneusement vérifié. Simplement là, ce sont des fleurs, donc je n'ai pas besoin d'avoir une très grande précision dans mon croquis. Et une fois que mon esquisse me convient, je passe donc au panne pastel et j'utilise dans un premier temps la plus grosse éponge que je prends donc pour faire le fond. Et en fait, j'ai un petit peu changé d'avis au fur et à mesure que je mettais en couleur mon arrière-plan. Au départ, je m'étais dit que j'allais faire un fond bleu très très vif pour avoir un réel rendu très coloré entre le bleu vif qui peut évoquer un ciel et le jaune très très franc des narcisses. Et puis finalement je me suis rendu compte que jaune et bleu, ça se contredisait un petit peu selon mon goût personnel. Alors ça peut fonctionner, mais je trouvais que du coup le ciel piquait un petit peu trop la vedette aux narcisses. Je voulais qu'elle vienne vraiment au premier plan et qu'elle soit vraiment la star du tableau. Donc vous verrez plus tard que je vais éclaircir ce bleu.
Ce que j'ai pu remarquer en tout cas en faisant cet arrière-plan, c'est que plus l'éponge que l'on utilise est grosse et plus la couche de pâte pastel déposée va être translucide, simplement parce que la surface en contact avec le papier est plus large, donc la pression sans doute est plus faible. Et donc on peut voir que le gris du pastel mat se voit encore par transparence. Je n'y attendais pas, je pensais que ça allait être beaucoup plus épais que ça. Et en fait, ça m'a bien plu, ça donne un aspect que je n'ai pas l'habitude d'avoir avec les pastels classiques. Et je trouve que cet arrière-plan est sympa du coup. Donc ensuite, je suis passée aux jonquilles hein, depuis maintenant quelques minutes. Et vous pouvez voir que j'ai réalisé ma sous-couche en utilisant les couteaux des pannes pastel. Donc ce sont ces outils avec le manche bleu et la petite éponge au bout. Et le petit pinceau aussi qui ressemble à un pinceau à maquillage. Donc ça, ce sont des outils qui sont très pratiques pour faire des petites zones, donc notamment les pétales de mes fleurs. Ce que je peux vous dire également, c'est que j'ai utilisé très peu de couleurs pour réaliser les fleurs. Je vous mettrai la liste dans la description de la vidéo. Et je me suis vraiment débrouillée avec le kit que j'avais. Mais entre temps, j'ai commandé d'autres couleurs pour pouvoir étayer un petit peu ma palette et me faire un petit peu plus plaisir dans les nuances. Alors c'est vrai qu'on peut les mélanger, donc c'est pour ça que ça m'a permis de faire un tableau quand même complet, même si je n'ai pas utilisé beaucoup de godets. Le fait qu'on puisse vraiment les mélanger très intimement, ça m'a permis quand même de créer des nuances très intéressantes. Mais voilà, pour plus de confort, j'ai trouvé que c'était bien d'avoir d'autres teintes, notamment au niveau du bleu. Celui-ci est assez foncé, donc je m'en suis pris un plus clair qui se rapprochera plus du ciel pour mes prochains tableaux. Sur le pastel mat, de toute façon, que l'éponge soit large ou qu'elle soit plus fine, on va avoir plus ou moins d'opacité. Mais ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que la couche de pastel déposée n'est jamais trop épaisse. Disons qu'il est difficile de saturer son papier, donc ça rend le travail au crayon par-dessus très facile. Vous pouvez voir que très régulièrement, je passe au crayon pour ajouter par-ci par-là des petites ombres plus marquées, des petits reflets, etc. Ce que j'ai pu voir en utilisant les éponges lors de ce premier essai, c'est que je l'avais évoqué dans la première vidéo de présentation des pannes pastel que j'avais faites. J'appuyais trop fort en fait sur les outils et on peut voir de temps en temps des petits dépôts comme il y en a un en ce moment en haut à gauche. Ça ce sont des petits bouts d'éponge qui se sont carrément détachés de l'outil parce que le pastel mat est un petit peu abrasif. Et donc si on appuie trop fort, ça abîme l'éponge qui elle est très douce. Donc depuis j'ai refait d'autres essais avec mes pannes pastel. En fait je les utilise pour mes commandes maintenant. Donc pour absolument toutes mes commandes je fais mes sous-couches avec, je gagne un temps fou. J'aime vraiment beaucoup les utiliser. Et je peux vous dire que j'ai donc bien réduit la pression exercée sur le papier. Et l'éponge, elle va continuer si vous voulez à s'user, mais beaucoup moins vite que lors de ce premier essai. En fait, plus vous avez une main légère et plus vous allez pouvoir utiliser ces outils longtemps. Donc ça, c'est quelque chose de très bon à savoir. De toute façon, au pastel, je trouve qu'il faut toujours avoir la main légère. C'est jamais bon d'appuyer trop fort, que ce soit sur le pastel ou sur l'estompe, ou là, en l'occurrence, sur les éponges. Parce que même le pastel mat, ça reste assez fragile comme papier. Et si vous appuyez trop fort, vous allez abîmer les petites aspérités qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais qui sont bien là. Et vous savez, parfois, ça peut arriver. Les débutants, on rencontre souvent cette situation où ils ont l'impression qu'ils ne peuvent plus ajouter aucun pastel. La surface devient brillante et on dirait que le papier n'accepte plus de pastel supplémentaire. Ben ça veut dire que vous avez appuyé trop fort et vous avez endommagé le papier et du coup celui-ci est devenu inutilisable. Donc pensez toujours à garder une main légère. Lors de ma première vidéo sur les pannes pastel, on m'avait posé une question très intéressante et je voulais profiter de cette vidéo-là pour y répondre. On m'a demandé s'il était possible de réaliser un tableau complet aux pannes pastel, c'est-à-dire sans jamais utiliser les crayons. C'est possible, tout comme il est tout à fait possible de réaliser un tableau au pastel en utilisant uniquement les bâtonnets. Maintenant, personnellement, je ne le ferai pas parce que j'adore les crayons, je trouve que c'est hyper utile, j'en ai plein, je les trouve très pratiques et vraiment, ils facilitent tellement la vie que je ne vois pas pourquoi m'en passer. Après, il y a des personnes qui font des tableaux entièrement au pan pastel ou entièrement au bâtonnet et c'est vraiment sublime. Mais simplement,
ça ne m'intéresse pas nécessairement. Donc, par contre, si vous voulez voir des exemples de tableaux entièrement réalisés au Pan Pastel, je vous invite à vous rendre sur le site officiel de Pan Pastel. Si je ne sais pas s'il existe une version française, mais si c'est le cas, je vous mettrai le lien direct en français. Sinon, ça sera le lien en anglais, mais bon, vous pourrez quand même regarder les images si vous ne parlez pas anglais. Et vous trouverez ce lien donc sous la vidéo. On peut donc utiliser les crayons pastels en complément des pâtes pastels pour ajouter des petits détails. Mais on peut également utiliser des bâtonnets. Alors quel est l'intérêt? Eh bien pour moi, l'intérêt a été de compenser les couleurs que je n'avais pas. Comme j'avais très peu de nuances à ma disposition, j'ai décidé de compléter les nuances qui me manquaient avec des bâtonnets sénelliers. Donc si vous ne connaissez pas les bâtonnets sénelliers, ce sont des pastels de très très grande qualité. Ils sont notamment très 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 riches en pigments. Donc ce sont des couleurs vraiment vives. Et moi personnellement, je les utilise toujours en petites touches pour donner de l'éclat. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. En fait, je trouvais que mes jonquilles étaient mignonnes, mais manquaient quand même, manquaient cette petite touche de peps. Donc j'ai utilisé le bâtonnet jaune que l'on voit actuellement à l'image. Et ce jaune là, je ne saurais pas vous dire comment il s'appelle parce que j'ai un coffret de demi-pastel, donc ils n'ont pas le papier autour, mais c'est une espèce de jaune citron. Et je trouve que tout de suite, il réveille l'éclat des fleurs, c'est assez remarquable. Donc je trouve qu'il s'allie particulièrement bien avec les pannes pastel, et vous pouvez voir que j'utilise les outils pannes pastel pour étaler les sénelliers dans la fleur, et ça fonctionne extrêmement bien puisque le sénelier, par nature, il est déjà assez poudreux. Alors il est beaucoup plus poussiéreux que le pan pastel, qui lui, entre parenthèses, n'est quasiment pas poussiéreux. C'est un vrai bonheur, ça change énormément de choses, mais ça fonctionne aussi, hein, on peut l'étaler. Je trouve qu'en l'étalant, le rendu n'est pas tout à fait le même. On a un rendu un petit peu plus granuleux avec le sénelier qu'avec le pan pastel, mais la couleur est tellement jolie que ça vaut quand même le coup. Donc ça peut être une bonne astuce pour vous si vous cherchez à donner un petit quelque chose en plus à votre tableau. En touche finale, vous pouvez avoir comme ça quelques sénelliers colorés, et c'est très sympa à utiliser. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et qui vous aura donné envie de tester les pannes pastels, ou bien qui vous aura peut-être permis de mieux utiliser ce que vous avez déjà. Et en tous les cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, ça me fait très plaisir et ça m'aide à faire connaître ma chaîne. Et vous pouvez me poser toutes vos questions sur les pannes pastels dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !